on voulait être présenter l'avancement concret des mesures annoncées il y a une semaine. Les mesures rentrent dans le cadre d'une vision, d'une stratégie globale qu'on avait déjà annoncée, décrite il y a plusieurs semaines. Il y a une semaine, on voulait être vraiment très concret, très pragmatique en annonçant une série de mesures qui peuvent être réalisées, implémentées en l'espace de 6 à 9 mois. Et aujourd'hui, on vient en annonçant la delivery unit qu'on a présentée, en présentant aussi le projet de loi qui a été soumis vendredi dernier au Parlement et en présentant aussi 6 applications nouvelles en mode live devant les journalistes pour leur montrer voilà ce qui a été fait. Donc en fait, les mesures qui ont été annoncées il y a une semaine, les 67, on n'a pas voulu faire un effet d'annonce pour dire on va faire. Le ministère des Finances, avec d'autres ministères et d'autres partenaires, travaillent depuis plusieurs mois, et lorsqu'on a compris qu'on était suffisamment avancé sur ces plateformes, ces solutions digitales, on les a annoncées aujourd'hui, on les a montrées. Les 6 applications, il y en a, oui, effectivement. Alors la première application donc, qui a été présentée, c'est une application de paiement avec le portefeuille digital. La deuxième application, c'est une application RSE avec la responsabilité sociétale des entreprises. Il y a une autre application qui concerne le paiement des impôts et des pénalités aussi via un portefeuille digital. Il y a une plateforme pour aussi acheter tout ce qui est timbre à distance. Il y a une plateforme aussi d'échange électronique de données internes. Donc ce sont des plateformes qui vous ont été présentées aujourd'hui. En mode, pour certaines, 3 d'entre elles, c'est des modes réels, live, et d'autres, c'est en mode de test avancé, quasiment abouti. On attend le cadre juridique pour pouvoir les lancer officiellement. Le principal impact de ces mesures, il doit être un impact économique et social. C'est ça le principe. C'est ce qu'on espère. On espère un redémarrage de l'économie. On espère qu'on reparte à la croissance. Les taux de croissance de 0%, 1%, 2%, ce n'est pas des taux qui peuvent arranger les affaires de la Tunisie. Et on ne peut faire un développement social, qui reste toujours l'objectif principal, que via une croissance soutenue de plus de 4, voire 5% minimum. Et c'est ce qu'on espère faire. Ensuite, bien sûr, certaines mesures vont nous aider à mieux financer le budget de l'État. Ça va nous permettre de générer peut-être 1,1 milliard de dinars. On tabule sur ça d'ici la fin de l'année et certainement plus l'année prochaine. Ça va dépendre du climat politique, ça va dépendre du climat général. Mais ça reste l'objectif principal, ça reste le développement économique et le développement social qui vont de pair. Les mesures supplémentaires vont nous permettre de boucler un budget de l'État qui est très difficile. Comme vous le savez, et je l'ai déjà annoncé, on part vers un déficit de plus de 7%, peut-être qu'on va avoisiner les 7,5, peut-être 7,9%, ça va dépendre de la situation globale. Il y a un taux d'endettement qui va dépasser les 85%, peut-être les 86%. Tout ça nous pousse à agir vite et très vite, et nous pousse aussi à essayer de générer des recettes supplémentaires pour l'État pour justement bien boucler notre budget.